C'est 17 40172 fois depuis la semaine dernière. Ils sont là, Lawrence, Robert, Simon, mais pas les autres qui sont ailleurs. C'est The Cure dans 4C+, en direct, en clair et sans décodeur jusqu'à 18h20. Salut Vali. Salut. Ça va? Ouais. Bon, à la bande-annonce des clips peut-être? Ouais, ouais. 10 clips en compétition, vous le savez, c'est parti. Regardez, ils sont sublimes et très très beaux. Here we go, boys. Non, pas tout de suite, on le remet. Oh, ok, one more time. Ouais. Je vous le refais. La bande-annonce des 10 clips en compétition, peut-être? Oui, d'accord, c'est parti. La voici, ils sont sublimes, ils sont très beaux et c'est parti. Voilà, on est plus que content d'avoir les Cure en France. Je crois que la France adore les Cure et peut-être que les Cure adorent la France, ça on va le savoir. Puisque Bercy, c'est quasi déjà complet, je crois. Ouais, après 3 jours. 18 décembre à Bercy. Tu veux dire que... Sold out. Yeah, it's sold out. To get a special commentary about this. Un petit commentaire à propos de ça ou pas? I was very surprised. Yeah, it's sold out so fast. Ah, et très surpris que ça soit complet si vite. Ben voilà, fallait s'y prendre avant. Enfin, il y aura peut-être maybe another concert after. Maybe or... another concert the next day. Yeah. But I don't think in Bercy, maybe somewhere else. Okay. A little club concert. Ah d'accord. Okay. Yeah. Ce sera peut-être pas à Bercy le deuxième concert, peut-être dans un autre petit club. Il va falloir suivre ça de très très près. Qui on prend en ligne, Bali? Alors on va parler avec Gilles. Mm. Bonjour Gilles. Hello. Bonjour. Bonjour Gilles. T'es content de jouer avec nous et The Cure? Ouais, ouais, ouais. Pas mal ça. Alors tu vas choisir une case. S2. S2. C'est bon? Ouais. Et puis un clip. Propaganda. Propaganda, j'aime bien ça. Okay. Alors maintenant, The Cure, you're going to choose one, a clip too. Yeah, video. Just one? Yeah, mm-hmm. Against Propaganda. Talking Heads. Alors voilà, Talking Heads et Propaganda, ça va être bien. Mm-hmm. 0515 0515, vous connaissez ce numéro de téléphone vert et gratuit par cœur. Soit vous votez A pour Propaganda, soit vous votez B pour Talking Heads. On verra bien sûr seulement le clip gagnant et vous allez voter pendant la vidéo des Cure qui est absolument sublime et on en reparlera tout à l'heure. Ça s'appelle In Between Days. Look at that. C'est parti. Voilà, The Cure, la vidéo, c'était In Between Days, une petite vidéo réalisée par je ne sais pas qui sur l'idée de je ne sais pas qui. Who directed it? Tim Pope, was it his idea to do the camera everywhere? Yeah. Strapped yeah. to you? But we just wanted to make a video which was simple, that didn't have a story to it, that just looked like us. Mm-hmm. And he came up with the idea of strapping cameras to us, because he likes to give us pain, basically. Il a dit pour la vidéo que c'était l'idée du réalisateur parce qu'eux, ils voulaient une vidéo très simple qui envoyait eux comme ils sont. C'était Tim Pope, que tu m'as dit? Tim Pope. Qui a décidé de... The one. De mettre des caméras qui pendent, accrochées sur eux et tout. C'est très réussi. Résultat alors, des courses. Ouais, qui a gagné? Ouais, on va voir ça. Peut-être c'est Gilles. Ah, c'est Gilles, propaganda. Yeah. Il dit si vous ne votez pas pour Talking Heads, il n'y a pas de concert. Alors, peut-être on va refaire. Mais c'est bien parce que ça veut dire que Jill a gagné, which is good too. Congratulations, Jill. Il te félicite. C'est qu'est-ce pas tous les jours que tu es félicité par Robert Smith des Cure. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, Jill? Je sais pas, on va voir. Félicitations. Ah, c'est beau ça, c'est une chemise et un caleçon coupe-cœur. C'est beau, hein? Ouais. On voit pas très bien, mais c'est très beau. Ça serves you right for asking for propaganda. If Talking Heads is one, you would have run a television and a car. Tu aurais gagné une voiture et une télévision si tu avais voté pour Talking Heads. Mais bon. Alors, Gilles, tu continues? Ouais, tu... je continue, ouais. Ok, choisis une case alors. Go for it. Vas-y, Michel. Oui? Oui. Top à toi quand tu veux. U1. Et okay. Un clip. Prince. Ah, ça va être dur à battre. Ouais. So Prince, who are you gonna put? Because it's gonna be pretty hard to beat. Beat Prince. Beat Prince. Hall & Oates. Ah. Hein?
Hall & Oates. Hall & Oates, voilà, ça c'est génial aussi. Voilà, Prince, Paisley Park, c'est psychédélique et ça fait mal aux yeux. Moi je vous le dis juste comme ça, c'est pas pour que vous votiez pour Hall & Oates. Très bien. Mais c'est très très bien quand même. Valley adore. C'est tellement. Ouais, et ils adorent aussi Hall & Oates. Et vous votez 0515-0515. Top à vous pendant le clip gagnant de tout à l'heure, c'est-à-dire Propaganda Duo. Ou duel, how do you pronounce duo. 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 Oh, in English, duo. In Propaganda. American, duo. Plus deuxième partie avec les Cure qui sont de passage en France. Je vous rappelle qu'ils seront le 18 décembre à Bercy. Ça va y aller au marché noir là pour les places puisque je crois que c'est quasi complet. Peut-être un autre concert derrière. Un album qui s'appelle The Head on the Door qui est sorti, qui est une véritable merveille. La vidéo, vous la connaissez, In Between Days. Et Valy va poser quelques petites questions. No, I just want to ask you, how do you explain your success in France when we never see you practically on TV? That's why. Fiscal Sin is plummeting back down into obscurity, this appears. Non, mais ils disent parce que j'ai demandé pourquoi ils ont un tel succès en France et parce qu'ils font jamais de télévision. Ils disent c'est la raison. Parce que maintenant ils ont peur que cette télévision va leur faire encore descendre. Ça m'étonnerait. Thank you very much. And this is terrible, but I read in an interview in The Face that you said that you don't want to be considered an English band and you don't want to be considered American. You wouldn't want to be considered American if you were American, but if you were French, you'd hang yourself. Why is that? Did I say that? Yeah. You said that. That was a lie. The woman who wrote lied. Yeah. What I meant was by hang, it was a figure of speech. It's an old English word for touching yourself lovingly. Ecstasy. I'm going to go to my bedroom and hang myself. And it means Non, je lui ai demandé parce que dans une interview, il a dit qu'il n'aime pas être considéré comme un groupe anglais et s'il était américain, il n'aimerait pas non plus être considéré un groupe américain. Et si c'était un français, il se pendrait. Alors je lui ai demandé, il m'a dit que pendre en anglais, ça veut dire en vérité se toucher et se faire plaisir. Alors c'était pas du tout se pendre. Donc tout va bien. Would you be curious to see the scores? Que tu serais curieux de voir les scores between Prince and Hall & Oates? Non. Surprise me, surprise me. Prince has won. Alors, on va voir qui a gagné. Gilles, est-ce que tu as gagné? Prince a gagné. Bah oui, mais c'était pas trop loin. Mais yeah. C'est bien, Gilles, tu as gagné. Oui. Alors, on va voir ce que tu as gagné. Excuse-moi, c'est wrong. Ah, mais c'est bien, c'est un nom d'abonnement à Starfix. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, journal sur le cinéma, choc et de science-fiction. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou tu... Ouais, je continue encore. Tu continues. Allez, tu retentes tout. Vas-y, rechoisis un clip, une case, etc., etc. Et tu prends la... L4. L4. L4 et... Un clip. Madonna. Madonna. Come on, men, what are you going to choose? I'm going to choose the Pogues. And anybody who votes for the Pogues will get a free drink from me. Ah, bah alors. Alors, attention. Oui. Vas-y. Il a dit que si vous votez pour le Pogues sans choix, il vous inviterait à boire un peu. Alors, donc faites chaque... comme vous voulez. Ouais. Mais l'annonce est lancée. Maintenant, si vous voulez voter pour Madonna, vous ne gagnez absolument rien. 0515-0515, top à vous, pendant Prince, Paisley. Remember the drink. Yeah, n'oubliez pas. N'oubliez pas les boissons. Put Low back on the street. Paisley Park, c'était Prince. Avant de découvrir les scores entre les deux clips, c'est-à-dire entre les Pogues, et je vous rappelle qu'il y a des verres offerts à tous ceux qui ont voté pour les Pogues, je voudrais montrer un petit truc au Cure. Vous savez, I think... attends, je vais passer un peu plus loin, c'est un peu plus loin. Ça doit être par là. Do you remember that? No? Yeah. Prizes! Brilliant. Qu'est-ce que c'était exactement? It was Simon's brother that made it. Yeah? It used to be, instead of a support group, we used to have a film, and we wrote some music and recorded some music for it. And it used to make everybody hate us. Yeah?
You could always tell what the audience was going to be like from their reaction to the film. It looks good on television. Yeah. Very professional. Alors c'était un petit truc qu'ils avaient fait à la place d'une première partie dans leur concert. Ils passaient ça, c'était le frère. Et ils ont dit qu'ils voyaient comment allait être la public par la réaction de ce petit film qu'ils faisaient. Voilà, et les gens détestaient ça, c'est ça? Ben, est-ce qu'ils aimaient, ouais, de liker? Toujours. They like it, sometimes, yeah. Non, ça dépendait. Mais il dit que non, il n'aimait pas du tout ça. Mais... Voilà. On va repasser à un autre truc que les gens aiment ou détestent. There's another thing that people hate or like. It's the Zazar. You probably don't know the guys. C'est three guys that are watching TV. Look at that. C'est trois types qui regardent la télé, les Zazar, numéro 72. C'est parti. Moi, Marcel. Mais non, pas comme ça. Résultat des courses entre les deux précédents, à savoir entre les Pugs et entre Madonna, je crois, ça va être un... My World, Jesus Christ. There's no faith in humanity. So no one wants a drink, that's all. No, well, that's okay, I'll remember this. Ouais, mais... Il n'y a pas beaucoup d'alcooliques en France, finalement. Comme... hein? Ça veut dire que Gilles a gagné encore. I voted for the Pugs. Et on va voir ce qu'il a gagné. Voilà. Ben, ça veut dire que tu as gagné cet énorme sac, on va mettre tous les cours dedans. Sweatshirt, caleçon en boîte, socks, chaussettes, et sac Canal Plus pour frimer un peu. And this. We're a very lucky fellow. Ouais. 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 Voilà, Gilles, merci pour avoir joué avec nous. Et tu. Un album dédicacé, s'il vous plaît. On va. Dedicated album. And when you're thirsty tonight, Gilles, just remember. Tu as soif ce soir, souviens-toi, c'est ça? Ouais. Alors, je vous rappelle l'adresse au passage, en fait, c'est 4C+, Canal+, 78, rue Louis de Serre, 75 04. Paris, si vous avez envie de jouer comme Gilles, vous nous envoyez une petite carte postale avec vos noms, prénoms, adresses, téléphone, avec la nouvelle numérotation, et vous nous envoyez tout ça à 4C+, Canal+, 78, rue Louis de Serre, 75 015, Paris. Voilà, top au clip que j'ai gagné tout à l'heure, c'est-à-dire, je sais plus, voilà, Madonna, c'est ça. Voilà, Madonna. Maintenant, je veux dire que Robert Smith a fait un petit choix, là, très, très soigneusement, dans toutes ses petites cartes postales. Il va en tirer une. Which one? The one you want. This one. Oh, wow! Look at that. Bah, ça, c'est pas mal, ça. I don't believe it. You don't believe me. Une carte postale avec les Cure. On ne sait jamais, alors, Agnès Pradel, qui habite à Malakoff, envoie ça. Merci, je savais que j'étais doué. J'ai gagné. Elle met « Et vive de Mew ». Elle gagne les 5 albums préférés des Cure qui sont. Vous allez voir ça tout de suite. So what are your 5 favorite albums on this camera? All right. Alors, Psychedelic Furs, c'est ça? Tu vois? With the cramps in the, avec les cramps dedans, il y a une petite erreur. Elvis Costello, il adore ça. Oui, ça c'est un autre. Oui. Ah, celui-là il le garde de côté. Les stranglers. Les poufs. Voilà, tout ça c'est pour Agnès Pradel. Je tire encore 2 cartes postales comme ça au hasard. Mettons celle-là et puis celle-là. C'est, je sais pas, Smolène Véronique et puis Frédéric Cazot qui vont gagner. Et puis ça aussi. Rien, c'est. Hein, qui vont gagner des places pour aller voir Retour vers le futur. Back to the future. Mais, I'd like. You don't want to say anything to your fans in French just to say. Non. Tu veux rien dire en français? Non. Ouais. Parce que je ne parle pas de bien français. T'as entendu, il dit qu'il parle pas bien français et écoute comme il demeure bien. Ouais, il parle quasiment couramment. J'ai oublié tous les mots français. I love you. It's the same in any language, though, isn't it? Really?
Bon, ok. Eh ben merci, merci pour tout. Vous venez donc le 18, peut-être une autre date le 19. One last thing, you want to say an historic sentence? Historical sentence? No. Anything that you say for posterity is by its very nature cack. Which means? I don't know. You don't know? I knew you wouldn't. Cack in French is cack. Intranslatable, sur cette phrase intraduisible, nous allons nous quitter. On se retrouve demain de 17h45 toujours jusqu'à 18h20, toujours en clair sans décodeur avec Vali. Et puis vendredi, passez une excellente soirée avec les affaires sans les affaires dans quelques instants. Je sais plus où je suis là-bas. Et puis Zénith, bye bye you all and take care. Thanks a lot. Au revoir. And hope to see you in France very soon. Thanks. Bibi. And I love you all.